Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de Arc sur The Volcano. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous. Et je voulais vous remercier parce que l'épisode numéro 29 de Arc Valhalla a été super bien accueilli. J'ai lu tous vos commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin franchement je pensais vraiment pas qu'il y aurait un retour comme ça. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus négatif, etc. Mais non non, vous êtes vraiment au taquet, donc bah merci. Déjà, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo. Il y a tout expliqué dedans, etc. Mais merci, merci beaucoup, parce que du coup, j'en abuserai pas. Hein, vous inquiétez pas, j'en abuserai pas. Mais ça va beaucoup m'aider. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir générer assez de revenus, etc. pour pouvoir avoir un nouveau PC. Tout ce qu'il faut pour faire tourner Arc en ultra. ce serait génial. Comme ça, on aurait vraiment le jeu qui lag pas du tout, parce que vous allez voir. Mon PC a quelques problèmes, en gros, je lag de temps en temps. Mais bon, on est parti. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc nous, on va aller tamer... Enfin, on va aller tamer... Non, on va aller... Si. On va aller tamer des alphas, mais on va surtout évoluer tous nos alphas qu'on a en ce moment en prime. Voilà, c'est l'objectif de la vidéo. J'avais envie de tout transformer en prime. Donc on a donc le Terror Bird. Est-ce que c'est possible? Je crois pas. Le Carnot, oui. Non. Ah non, le Carnot, c'est pas possible. Ah, donc on va aller tamer un Prime avant. Alors, je vous préviens tout de suite, le Gigano, c'est dans l'épisode suivant, qui sera donc l'épisode numéro 14. Et ce sera pour, du coup, samedi. Samedi à 6h30 du matin. Voilà, comme toutes les vidéos que je sors de Valhalla le samedi. Hop, je vais jeter ça. Toi, tu manges tout ça. Cadeau. Alors, on va lui monter un peu la speed, pas trop, parce que le Carnot il est quand même fait pour défendre, c'est un petit peu le but. Voilà, nickel. Et donc, on va aller tamer autre chose qu'un Gigano. J'aurais bien aimé trouver une Mantis Alpha. Voilà, et j'aurais bien aimé aussi évoluer ça. Et justement, il me faut une Mantis Alpha pour évoluer mon Argentavis en Prime. Donc, il va falloir trouver une Argentavis Alpha. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir aussi. Il dure 40 minutes, donc c'est un épisode assez long. On a tamé, justement, on a évolué le Prime, le Rex en Prime. On a tamé un géant Limantria. Voilà, une nouvelle créature qui est apparue. Donc ils ont fait pas mal de mises à jour hein, récemment, Arkham The Live. Et donc, il y a des choses qui changent souvent sur le contenu. Et sur, par exemple, les boss, souvent ils ont une augmentation des PV ou une diminution. Enfin, là c'était plutôt une augmentation, je crois. Donc en gros, ils sont plus durs à tuer maintenant. Donc il y a des techniques qui ne marchent plus, qui marchaient avant. Donc voilà, si vous suivez des youtubeurs anglais, il y a des techniques qui ne marchent plus. Voilà, tout simplement. Maintenant, je pense qu'avec un Gigano Alpha, il y a possibilité de le faire. Et si on n'y arrive toujours pas avec le Gigano Alpha, on tentera une Wyvern Alpha, comme vous m'avez conseillé. Donc j'irai en chercher une Wyvern Alpha. Et puis voilà, on va tester ça. En tout cas, pour l'instant, on va essayer de trouver une Mantis. Ce serait pas mal. Plutôt HL. Ce serait vraiment bien, parce que j'ai pas envie de me prendre une Mantis level 200. Ce serait un petit peu dommage. Surtout que j'ai envie de l'utiliser pour tamer. Puisque on va un petit peu arrêter d'utiliser ce super Trank Rifle. En tout cas, pour les dinos terrestres, parce que pour les dinos volants on va continuer à l'utiliser, mais pour les dinos terrestres j'aurais bien aimé utiliser la Mantis Alpha avec les, comment ça s'appelle, les Pike Anunnaki, enfin non c'est pas les Anunnaki, c'est les Poison Pike qui du coup endorment. Ce serait génial. Alors oui, alors il y a ça là, les anciens Carnot, anciens Stego, etc. Alors ça par exemple, ancien Carnot mâle level 600 là, j'aurais bien aimé savoir si on peut le tamer. Normalement, les anciens, on peut pas. En tout cas, sur Anunnaki, on peut pas. Mais est-ce qu'on peut sur Arkham The Live? Alors. Donc, le but, c'est de tamer celui-ci. 672. Oula! Ah, il se fait exploser par des mantis. Tant qu'elle m'attaque pas, tout va bien. Ça y est, elles sont tombées. Alors, où étais-tu? Où es-tu? L'autre, c'est l'autre. Ok, c'est celui-ci qu'on doit essayer de tamer
Donc on va tenter ça. C'était pas prévu. Ok, touché. Normalement, je peux voir sa torpeur avec la Super Spyglass. Donc, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Oh, oh là 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 là. J'ai failli tomber. Ah, oh, j'ai failli tomber. Est-ce qu'on peut voir Alpha Carnot torpeur 271. Donc non, on peut pas l'étamer. Parce que sinon, il aurait déjà... il aurait déjà pris plus de torpeur que ça. Attendez. Je l'ai loupé. Je vais réessayer. Je reteste une balle, je vois combien de torpeur s'allumait. Si s'allumait 0, c'est qu'on peut vraiment pas le tamer. On va tester avec lui. Hop. 0 de torpeur. Ok, bon bah on peut pas tamer les anciens. Ça me paraissait logique, mais je voulais vraiment voir si c'était faisable. Mais voilà, c'était logique en même temps. Ok. Bon, ils doivent être carrément puissants du coup. À mon avis, je sais pas ce qu'ils lootent. Ils doivent loot des trucs assez intéressants. Mais comme vous voyez, je lag. Voilà, il y a des lags un petit peu. Pourtant, je suis en low, medium. J'ai l'impression de laguer encore plus que si j'étais avec mon ancienne carte graphique. Alors, ça se trouve, c'est pas la carte graphique qui fait ça. Ça se trouve, c'est la RAM qui a du mal, ou je ne sais pas. Ou le processeur, peut-être, qui a du mal. Et dans ce cas, il faudra que je change de processeur. De toute façon, il faut que je me rachète un PC. Puisque j'ai de la DDR3, j'ai une ancienne génération de processeurs. Et donc, ça me ferait un PC de stream et un PC de montage. Mais bon, là j'ai pas le budget. Mais j'y pense. Parce que quand vous voyez que ça lag comme ça, bah c'est un petit peu handicapant. C'est vrai. Là, ça me frustre un petit peu, je vous avouerai. Donc, merci pour les retours sur Valhalla. Ça va beaucoup m'aider, en tout cas. Merci à vous. Voilà. Ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Parce que même si j'insiste trop souvent... Et vous me le dites en commentaire, j'en parle trop souvent. Des likes, etc. De comment ça soutient le youtubeur, etc. Mais c'est tellement important que c'est pour ça que j'en parle autant. Mais désolé à ceux que ça énerve. Je comprends parfaitement. Donc, en attendant, moi, je cherche une Mantis Alpha et j'en trouve pas. Donc, je vous retrouve quand j'aurai fait un petit peu le ménage et que j'aurai trouvé une Mantis Alpha. Donc, à tout de suite. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi il y a un Pithecus? Attends, il y a des trucs que je ne comprends pas sur cette map là. Attendez. Je sais pas si vous avez vu ce qui me tourne autour. Oh, le bordel, une Manticore, mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce jeu? Attends, la Manticore, elle est level combien? Il y a une Wyvern Prime en plus. Non, c'est une... Ah putain, c'est relou. J'arrive pas à zoomer comme il faut. Ouh là, te rapproche pas trop. Il y en a deux. Et là, il y a un dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain de bordel. Oh putain, est-ce que je peux aller sous l'eau avec l'alpha? Oui, je peux aller sous l'eau avec l'alpha. Oh mon dieu, putain. Oh là. J'ai que 200 000 HP avec. C'est normal que je prenne aussi cher. Est-ce qu'ils me suivent? Non, c'est bon. Ça y est. Oh putain, mais c'est quoi ces créatures là? Wyvern, ancien Wyvern niveau 300. Ok. Lui, c'est qui lui? C'est quoi ce truc là? Elemental Drake, level 56, ok d'accord. Mais j'ai enlevé Anunnaki, on est d'accord? Oui, j'ai enlevé Anunnaki, non. Ok, bah. C'est quoi ce bordel? Genre. Non quoi. Deux Manticore plus deux anciennes Wyvern plus. Calmez-vous, ils ont augmenté les spawns ou quoi? C'est quoi ce délire? J'ai pas envie de me tamer. Enfin, est-ce qu'on va réussir à se tamer une Manticore à un moment donné? Je veux dire, ça me paraît compliqué quand même. Elles sont level combien? J'arrive vraiment pas à voir, elle va trop vite. Elle va vraiment trop vite. En plus, elle vient sur moi. J'arrive pas à voir les dégâts qu'elle me met. Et j'arrive pas à voir son level non plus. Mal Hyperion. Oh le bordel. Heureusement qu'elles sont loin de moi. Hein. Heureusement qu'on s'est pas installé dans le biome Scorchers.
Oh putain, heureusement. Bah du coup, il y a peut-être des trucs plus intéressants que les wyverns pour le coup. La manticore doit être vachement... Mais du 30 000 non tamé sur un alpha qui a une selle. On avait vu ça dans Ark Boss, que la selle diminuait de x4, enfin divisé par 4 les dégâts pris, limite. En plus, c'est une selle, non, c'est une primitive. Elle donne que 25 d'armure. Ah ouais, ouais, non, peut-être pas par 4 alors. Wow, je m'attendais pas à ça. J'ai toujours pas trouvé de mantis, mais là, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Bon, bah, on va continuer notre objectif de trouver une mantis. Hein. Je vous reprends juste après. Alors. Ouh là 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 là, 668, nice. Elle est pas trop mal. Elle est pas à 800, mais elle est bien. Alors, il attaque une immantriade. Nice, il peut plus bouger du coup. Non, par contre, laisse-moi descendre s'il te plaît. Non, mais tu vas pas faire la même chose que ton collègue épique Argentavis là. Non, j'ai loupé. Oh, putain. Oh, oh là là, j'ai eu peur. Pendant 2 minutes, j'ai vraiment eu peur là. Tiens, prends ça. Nice. Nickel, on va même pouvoir faire l'évolution dans Score Shaders. Viens là toi. Viens là, je vais te mettre juste à côté. Je veux voir un truc. Alors, la mantis. Tu me suis, tu te tournes dans ce sens là s'il te plaît. Level 1000 la mantis. Ok. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre bien pour la miniature les gars. C'est important la miniature. Je vais essayer de vous mettre nickel. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Alors attendez, on va essayer de faire un beau petit truc. Parfait. Absolument parfait. Vous êtes parfait. Des génies. Bon, et du coup maintenant on va faire une évolution. Et on va voir laquelle des miniatures sera la mieux. Alors il va manquer 30... 30 Alpha Hertz. C'est sérieux ça? Ils viennent d'augmenter les trucs, c'est pas possible. Non, 30. Ah ouais. Ah bah pas tout de suite alors. Oh, je m'attendais pas. Ah bah nickel, on peut la récupérer. Oh parfait, super. Je pensais pas que je voulais tester, mais je pensais vraiment pas que je pouvais la récupérer avec l'Argentavis. Nickel. Bon bah on rentre à la base et puis on va aller farmer un petit peu les cœurs d'Alpha et on va voir avec quoi. Peut-être le Prime Rex histoire de le faire évoluer un petit peu et puis. Il faudrait que je fasse XP. Alors du coup il faudrait que je trouve une potion d'XP pour l'Argentavis parce qu'en fait quand ils retombent en prime ils prennent les levels de quand ils sont XP. Des dinos quand ils sont XP et pas quand ils sont tamés. Je m'explique. Si mon Rex je le tame level 600, il arrive donc level 1000. Si je le fais passer en prime, il garde les stats du level 1000. Alors que si je l'avais fait XP level 1200 par exemple, et bah il aurait gardé les stats du level 1200. Donc il faut les faire XP avant de les faire passer en prime. Après c'est un Argentavis, donc on s'en fout un petit peu. À part qu'il va gagner un petit peu en speed quand même du coup si je le fais évoluer après en prime. Et ça, ce serait intéressant. Donc je pense qu'on va quand même lui mettre une potion d'XP. Mais pour ça, il va falloir aller farmer avec le Prime Rex. Et on va y aller tout de suite. Je sais pas ce qu'il faut pour améliorer la mantis en Prime Mantis. Et si c'est faisable d'ailleurs. Donc on va regarder dans son inventaire juste après. Pour voir si c'est faisable, j'ai pas vu, mais je crois que oui. Je crois que oui, on peut faire une prime mantis. Je pense qu'on va faire de toute façon tous les primes du jeu, parce que c'est les plus forts. C'est vraiment les plus forts, les épiques. On va finir par se les tamer, les épiques, hein, même s'ils sont moins forts. Mais, franchement, les primes m'intéressent quand même bien plus à ce niveau-là. Il faut Raptor. Elle a 200 000 HP. Oh, j'ai vraiment envie de tester les dégâts, là. Attendez. Oula. Je vais tester les dégâts tout de suite de l'alpha. Alors non, pas tout de suite, il va me falloir la selle. Et la selle de mantis, il va falloir aller farmer. Power, cristal, c'est tout ce qui nous manque. Il nous manque du power et du poison. Voilà, donc on va aller faire farmer ça. Je pense que ce sera tout. Donc on va prendre le Rex et on va aller se balader. Viens là toi. Toi qui est énorme, qui est majestueux et qui crache du feu. Si ça c'est pas beau. Parfait. Il fait beaucoup plus de dégâts que mon Rex d'avant. Hein. En plus il... Ouais enfin là c'est pas vraiment représentatif parce qu'il est one shot mais... Level 56 en même temps. Donc il faut qu'on trouve des poisons, des power
et des alphas. Parce que là, il nous faut 30 alpha hertz. On n'est vraiment pas rendu pour le coup. Donc, c'est parti. Hein. Allez, viens. Viens là. Un alpha hertz. Ouais, ça va vraiment être assez long. Bon, bah moi, je vais farmer tranquillement. On va augmenter un petit peu les PV, je pense. Parce que là, il est vraiment low. Ouais, il est low en PV. Oula, qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux pas te prendre un petit coup de flamme? Non, tu veux pas? C'est bien dommage. Bon, bah, je vais avancer. Un explorer, ça donne quoi, déjà? Wouah, les dégâts! Les dégâts du Prime, c'est affreux! Oh là là! Ah ouais, donc rien qu'avec un Prime Rex, on peut se faire un chef, en fait. Je pense. Donc on va peut-être s'en faire un dans les prochains épisodes. Eh ouais. Wouah, c'est énorme. C'est énorme. Attendez, je vais récupérer juste les trucs qu'il me faut. Voilà, je vais jeter tout le reste. De toute façon, 10 000 pots. On a beaucoup trop de pots dans le jeu. Je vais aller vers là-bas. Parce qu'il y avait pas mal... Ah bah oui, il faut aller au biome neige. Au biome neige, il y a énormément d'alpha. D'ailleurs, il y a les gigano alpha. Je sais pas si mon Prime Rex peut se faire un gigano alpha. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. On va aller tester ça tout de suite ensemble. Donc je vous reprends dès que je suis arrivé dans le biome neige. Nickel, on est arrivé. Il y a un Rex alpha en face. Parfait, on va pouvoir se le faire. Let's go. Nickel. Ouh, il met du dégât, hein. Il met du dégât. Ouh, là 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 là. Eh, j'ai flippé en vrai. En vrai. Non, je pensais vraiment pas qu'il mettrait aussi cher. Il est pas si puissant que ça. Ah, un saveur tous. Non, on n'a pas besoin. Allez, viens là. Nice. Alpha Rex. Nice. Oh, il va prendre tellement moins de dégâts maintenant. Oh, super. Alors, je sais pas combien il va prendre en moins. Ça, on tâchera de le voir dans Arc Boss, tout simplement. Donc, si vous voulez voir toutes les caractéristiques des dinos et voir combien ils prennent en moins, je vous invite à aller voir ça sur la série Arc Boss. Et comme ça, on pourra analyser tout ça. Ouh, ils ont des PV, eux. Adept de Alpha Hertz. Oh, nice. Nice. Tu m'en donnes deux aussi, toi? Nice, c'est un prime, c'est pour ça. 11. C'est parce que c'est des primes. Ok, je viens de comprendre. L'arc compo. Je prends. Je vais prendre tout ça aussi. Ça va nous servir peut-être un jour. Le reste, on n'en a pas besoin. Voilà. C'est un power, ça? Il me semble. Hein. Oui, c'est juste un power. Ok, nickel. On va aller par là. Là, il y a un prime, non? Attendez, parce que je commence à être lourd. Pourquoi? Ça, on s'en fout à la limite. Les Golden Tweet, on s'en fout aussi. Ça y est, il m'attaque. Niveau 224. On peut se le faire. Ah oui, il me fait que du 600 maintenant avec l'armure. J'aurais bien aimé savoir combien il me faisait avant. Hein. Ouah. Ah ouais. Oh, la différence. Encore un prime ici. Il y a des primes partout dans le biome neige. En fait... Le biome neige, c'est vraiment le biome où vous avez le plus, sur cette map en tout cas, avec Arkham The Live, vous avez le plus de prime et d'alpha, et de tous les types réunis en fait. Oh, j'ai plus de vie. M'attaque pas, hein. Il va m'attaquer. Ouais, il va m'attaquer. Il faut que je fuis... Attends, parce que là j'ai failli lui mettre des dégâts. Ok. Il va me falloir des potions. Il va falloir que je crée des potions. Parce que là, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut le force tamer? Non. Non, il reprend plus vite sa vie sans rien faire. Ok. Bon, bah du coup... les giganos, ils sont toujours dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de récupérer des... Ah, je suis pas à 30 alpha heures, ça m'embête. Bon, je retourne à la base. Je fais des potions de vie. Je sais pas comment on les fait, on va voir ça. Donc je fais des potions de soins et puis on retourne au fight. Ok, je suis rentré, on va aller se faire le sarco parce que je crois que le sarco fait
donne pas mal de ressources. En tout cas, les épiques donnent pas mal de ressources. J'espère juste que je vais pouvoir me le faire. Ah oui, d'accord. Bah d'accord. Ah non, il m'a rien donné de particulier. Ok. Je sais pas si ça a changé ça aussi. Je sais pas si les potions elles ont changé, si on peut plus les avoir, etc. Il y a plein de choses que je ne connais plus sur le mode que je connaissais parce que ça, bah, on avait testé, mais maintenant ça ne marche plus. Donc il va falloir regarder comment on fait les potions maintenant. Les potions de vie, ça s'appelle une régénération potion et ça se fait avec des rares flowers et de la hide. Donc c'est très très simple en fait. Ok, tout va bien. J'avais peur, mais non. Tout va bien. J'ai pas du tout à avoir peur. Je vais mettre ça là. Parce que du coup, j'ai juste à récupérer les rares flowers qu'on a sur Volcano ici. Juste là. S'il veut bien me laisser tranquille. Donc je récupère quelques rares flowers ici. Oh, je peux faire tellement de potions de régénération. Ah, c'est un petit peu cheaté du coup pour le coup. Parce qu'on va jamais mourir. Donc on peut se faire sans problème des chefs en fait. Sans problème. Je vais le mettre en attaque my target. Voilà. Oui, il y a des allosaures d'ailleurs. Il faut un autre dino pour protéger. Toi. T'étais en attaque my target. Viens avec moi. Viens avec moi parce que tu vas nous servir de protection ici. Tu vas rester ici là. Nickel. Toi, je vais te ramener juste sur le côté, comme ça tu vas pouvoir faire appel à... Voilà, nickel. Parfait. Allez, défonce-les. Le 17 000. La mantille doit faire vraiment beaucoup de dégâts, je pense. À mon avis, ouais, ça doit être insane. Je vais l'appeler... Voilà, je vais appeler Terrorburn, comme ça il va protéger aussi. Le reste, c'est en neutre. Lui, je vais le mettre aussi en attack my target et je vais l'appeler avec le Rex épique. Voilà, parfait. Nickel. Bah, on est bien. Il n'y a plus qu'à appeler... Oula, le Carnot avec l'Argentavis. Hop. Et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Nickel. Je vais pouvoir faire énormément de potions, je pense, de régénération. Ça, ça va être bien. Il va m'en falloir de toute façon un bon gros paquet. Je vais prendre la hide, les rares flowers. On est parti. Hop. Ok, 30 potions. Ça je crois que c'est bon là. On a un Argentavis DNA toujours. On a 16 Alpha Earth. Il nous en manque 14 pour pouvoir faire évoluer notre Argentavis en Prime. On a aussi la Mantis du coup maintenant. La Mantis DNA. Ah oui, alors attendez. Oui d'accord, donc la Mantis DNA je te la laisse. Il faut juste, ok. Il va falloir trouver une potion d'XP. Alors du coup, je vais récupérer l'huile hein, et on va retourner ce fight. Tiens, prends la potion de régénération. Voilà, ok, ça le remet full life direct. C'est vraiment cheaté pour le coup, les potions là. C'est vraiment cheaté. Je vais récupérer... Qu'est-ce qu'on avait dit? Je vais laisser ça là déjà. Et on avait dit un truc en particulier. Alors, que je réfléchisse bien. Il va me falloir... Mince. Si, je voulais voir... déjà, je voulais voir la mantis. Si, c'était le raptor... Ok. C'était peut-être là-dedans alors que je voulais aller voir quelque chose. Est-ce qu'on peut se faire déjà la selle de Mantis? Il manque quoi? Il manque un poison. Ah, on n'a pas tué de poison. On n'a pas tué de poison, ok. Donc on y retourne. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah, je voulais regarder là aussi. Là-dedans, il y a des DNA. On va les laisser là-dedans. Et il y a aussi du coup des Alpha Earth. Il y en a combien? Il y en a 5. Et du coup, j'aurais bien testé un chef quand même. J'aurais bien testé un chef. Mais ça va arriver, je pense, dans le prochain épisode. Parce que je vais invoquer, par exemple, le mammouth gigante, d'ailleurs, beer, argente, Bigfoot. Le Bigfoot, je pense qu'il est pas trop compliqué. Ça veut dire on invoque le Bigfoot ? On invoque le Bigfoot et on voit ce que ça donne. Je vais l'invoquer de ce côté-là comme j'avais fait pour l'autre. J'espère qu'il va pas se mettre juste devant. Ah si. Ah oui, d'accord. Non, j'ai rien dit. Ok. Alors attendez, parce que là, ça se trouve, il va se passer un truc monstrueux. Il va falloir ramener le maximum de créatures autour. Dépêche-toi. Toi, tu te ramènes.
toi, tu vas... Faites gaffe. Le Carnot, viens avec moi. Le Carnot. Toi, tu vas nous servir parce que toi, tu fais du dégât quand même. Mine de rien. Non, reviens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de cadeau, toi, le Carnot. Viens là. Au cas où. Wow. Alors, attends. Parce que là, il est level. Oh, ça va. 336, attendez. Oui, ça va. Ouais. J'ai peur d'un truc. Je vais aller vérifier ça tout de suite avec mon petit Terror Bird. Viens là, toi. Allez, saute. Allez, avance. Voilà, nickel. Je vais vérifier ça tout de suite. Où est le... D'accord. Bon, on va vérifier un truc. Non. Tout va bien. Je pensais que si je m'approchais, en fait, il allait faire comme les autres gigantos. Et du coup, ça aurait été monstrueux. Est-ce qu'on le teste? Est-ce qu'on se le fait? Qu'est-ce que je peux utiliser contre lui pour tester ses dégâts? On n'a rien... Si, on a lui, là, qui sert à rien. On a le Terror Bird inutile. Je vais lui monter ses HP, histoire de voir combien il peut prendre. Bon, là, on est à 200 000 HP. C'est pas mal. Attends, viens avec moi, toi. Oups. Alors, toi, viens avec moi. C'est parti, on va tester le gigante. Attendez. Je vais essayer de l'aggro de plus loin. Ok. Comme ça, au cas où, on va pouvoir sauter. Ok, il a arrêté de m'aggro. J'ai pas réussi à le toucher. 800. Je lui fais rien. Il me fait combien? 12 000. Testons un truc. 12 000. Ok, dans les pattes, on peut arriver à le faire bugger. Il me fait quand même du 12 000. Ok. Vas-y, viens. Viens avec moi, t'as. Wouh. Allez, rect. Get rect. Merde, moi par contre, il faut que je remonte quand même. Ah putain. Bon bah, il est descendu. Il fait du 12 000. Donc, avec des potions de régénération, ça se fait. Il a 26 000 HP. Donc, à taux de 50 000 par 50 000. Ou un crachat, ça fait 100 000. On doit faire 260 crachats. 260 jets de flammes. Non. Non, on peut pas se le faire. Enfin, en tout cas, on pourrait presque. Enfin, on pourrait, parce que j'ai assez de potions de régène. Mais j'ai pas envie de me le faire comme ça. Enfin, ça va être tellement long. Donc on va tester avec une Wyvern ou un Gigano. Et sinon on réessayera avec le Rex, tout simplement. Je vais tuer le... Il me faut un poison, donc je vais essayer de tuer lui là. Je crois que ça suffira pas. Non, ça ne suffira pas. De toute façon, c'était normal. Bon, je reviens à la base. Ok, bien, alors j'ai farmé un petit peu, on a ce qu'il faut en Alpha Earth, donc c'est nickel, on va pouvoir tester l'Argentavis du coup maintenant. Alors, on va faire évoluer notre Argentavis, je vais le faire un petit peu à la lumière quand même, le soleil va pas tarder à se coucher, on va le faire ici. Ouais, je pense qu'il est assez XP, de toute façon c'est pas dramatique, let's go. Il va manger la croquette direct, donc normalement il sera, alors il va perdre tout ce qu'il a sur lui de toute façon, donc on va tout lui jeter. On va lui laisser la croquette et on va voir l'évolution. Et on s'occupera de la mantis plus tard. Après, il va falloir aller chercher aussi un gigano. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, on va voir comment ça se passe. On est à combien là? Ok, on est bientôt. Je voulais vous dire aussi, là, je suis en train de tourner juste avant le live de ce soir. Donc les lives, ce sera entre 19h et 21h le soir. Tous les soirs, je vais essayer de commencer un live dans ces heures-là. Là, du coup, je tourne Volcano juste avant. Et donc, voilà, j'espère que les lives vous plairont, etc. Donc, le lien est toujours dans la description. Et donc, on va voir cette évolution. C'est parti.
J'étais impressionné de comment était le Prime Rex. Est-ce que lui va devenir bleu comme ils sont en sauvage ou pas? Telle est la question. Je sais pas s'il faut que je sois dedans. Oh, ça change rien. Il est en violet? Il est violet. 300 000 HP. Il a perdu la selle, mince, j'avais oublié. 300 000. D'accord, d'accord, d'accord. Il a perdu ses stats. Mais par contre, il a gardé son level, je crois. Donc on a un Prime Argent à vie. Super, parfait. Bah, nickel. Moi, je vais les mettre. Je vais mettre en miniature. C'est pas dramatique. On mettra pas forcément le Prime. Mais voilà, super, bah parfait. Bah moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais aller faire le live. Donc voilà, je vous retrouve tous les soirs en live sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à partager les vidéos, c'est très important. À vous abonner à la chaîne, ça me permet de savoir qui suit. Et puis ça vous permet de pouvoir suivre en permanence les vidéos. Donc si vous n'avez pas de compte Google, je vous invite à créer un compte. Ça vous permet d'avoir une adresse mail Google qui est très utile et qui vous servira toute votre vie. Voilà, clairement. Et voilà, ça vous servira énormément une chaîne YouTube aussi, enfin un compte Google pour vous abonner à la chaîne YouTube. Enfin bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien, c'était Yonix et on se retrouve pour l'épisode numéro 14 pour samedi à 6h30 du matin. Portez-vous bien, salut tout le monde.